Salut, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec la première vidéo officielle de l'année 2018 et c'est un tuto insolite. Donc je me suis inspirée de la youtubeuse Hélary, dont je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, et j'ai vu qu'elle a utilisé en fait un produit pour faire ses sourcils. Je me suis dit, je vais présenter un DIY de cette vidéo parce que franchement, j'ai trouvé la technique vraiment très ingénieuse. Et je me suis dit, comme j'avais le matériel qu'il fallait à la maison, je vais reproduire ça façon à ma façon. Donc vous allez voir, je vais vous mettre les différentes étapes que j'ai utilisées pour faire ce tuto. Et franchement, maintenant que je vois ce que ça donne comme résultat, ça me donne même envie d'acheter le produit que Hélary est en train de tester. Et je pense que je vais l'acheter, le commander. Donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo, je ne vais pas trop parler. Je vais quand même vous souhaiter une bonne année 2018, mes meilleurs voeux. Et voilà, j'espère que vous allez accomplir tous vos projets, que cette année sera pleine d'enrichissement, que ce soit côté professionnel que personnel. D'autre part, je voulais passer un petit big up à Michel de Bruxelles, qui est avec qui j'ai parlé pendant un petit moment à Créteil Soleil. Je sais pas si elle verra cette vidéo, mais en tout cas franchement j'ai bien aimé la façon dont tu es venu m'aborder, etc. Si vous me voyez, que vous me connaissez, n'hésitez pas à venir me parler. On est comme vous, hein. On n'est pas des stars, enfin voilà quoi, on est comme vous quoi, donc n'hésitez pas. Franchement moi je suis un peu sauvage, je vous le dis, mais si vous venez bien tranquille, voilà, y a pas de souci. Et franchement ça m'a fait plaisir de parler avec elle. On n'a pas parlé pendant 100 ans, mais on a pu échanger et j'ai bien aimé. Et pour te dire, en plus c'est trop marrant parce que tu sais, une fois que on allait on a discuté comme ça, mais c'est une fois que tu allais partir que tu m'as dit que tu m'as reconnu. Et j'ai trouvé ça assez marrant parce qu'en fait ça t'a permis en fait de voir vraiment qui j'étais en fait. C'est pas, tu t'es présenté tout de suite en disant oui je te suis sur YouTube, quoi que ce soit, tu m'as parlé et ensuite après t'as dit oui je te connais sur YouTube et tout, je t'ai reconnu et tout ça. En tout cas franchement bisous. Et donc voilà, je vous laisse avec le tuto et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour me soutenir. Vous savez très bien, quand vous mettez des commentaires et quand vous mettez des avis, des pouces bleus, peu importe, ça fait toujours plaisir aux youtubeurs et ça permet également de se dire que ce qu'on fait c'est pas dans le vide et de poursuivre les vidéos tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye. J'ai coupé avec mes ciseaux en fait pour des épaissir. J'ai coupé, voilà, les fossiles. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon gel. Je vais en prélever, voilà, cette quantité. Je mets sur la paume de ma main, sur le dos de ma main, du moins dis-je. Et je vais prendre mes fossiles et les mettre dedans. Je vais montrer. Voilà. Tu focuses pas. Donc voici ce que ça donne. Je vais mettre encore un petit peu. Je suis en train de rajouter. Donc, je rajoute mes petits poils. Donc, vous connaissez déjà mon sourcil. Donc, je vais mélanger encore un petit peu en fait. Pour bien que chaque poil soit bien imprégné de gel, etc. pour que ça soit plus malléable. Voilà. Tac, tac, tac. Alors maintenant, ce que je fais, c'est bien recadrer pour ce qui vous intéresse. Faites pas attention aux imperfections. On n'est pas là pour regarder ça. Je prends ma colle. Waouh, je fais n'importe quoi.
Je vais mettre ma colle. Comme ça. Hop. Tac. Je vais mettre la colle sur tout le sourcil en fait. Tac. Voilà. Bon, je vais essayer de les placer de façon naturelle. Et là, c'est pas gagné du tout. Donc là, on a le sourcil qui a été entre guillemets repoilé. Trop marrant. Donc voici ce que ça donne. Donc je regarde s'il y a des trucs qui restent sur mon doigt. Après, j'irai pas jusqu'à frotter comme ça parce que je sais que ça va partir. Mais déjà, en faisant comme ça, là, ça s'en va pas. Donc déjà, on est bon. Après, on voit quand même qu'il y a de la colle au niveau du sourcil. Donc, je vais venir avec ma baby cream là, de chez Elebol. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retracer mon sourcil en fait. Je vais le nettoyer en fait, le bas de mon sourcil. Parce que, en fait, j'ai tort à me dire que si je me. Je me rajoute des poils. Si je les épile, ça va être bizarre en fait. C'est très bizarre. Je vais aller poudrer le sous-sourcil. Mais on voit la différence directe. Oh, je suis choquée. Peut-être que il manque un petit peu par là. Un petit peu de poil par là. Pas assez. Mais on voit la différence directe. Choquée. Donc voilà, j'ai poudré. Donc c'est assez bizarre en fait. Ça se voit que j'ai fait quelque chose en fait. Clairement, ça se voit. Après, si les deux sont faits, je sais pas que ça va donner comme résultat. Je vais essayer de voir pour faire les deux pour voir à peu près qu'est-ce que ça pourrait donner. Mais ça fait bizarre en fait. J'ai tellement l'habitude d'avoir les sourcils dessinés avec soit un crayon ou soit avec une crème en fait spéciale pour sourcils, que là franchement je vous assure que ça fait bizarre. Mais après au niveau du sourcil etc, on sent rien en fait. Je sens rien, j'ai pas l'impression d'avoir mis quelque chose en fait sur mes sourcils, sur ma peau. Donc, voilà, mais c'est juste que ça fait bizarre de voir mes sourcils comme ça plein de poils en fait. Je suis tellement pas habituée à voir le sourcil comme ça, c'est vraiment bizarre. Donc on va dire que j'ai fait une reconstruction du sourcil à la maison. Je pense que c'est ce que je vais donner comme titre à la vidéo. Je vais faire les deux et je reviendrai quand les deux seront finis pour un résultat final. Mais en tout cas, je suis bluffée par le résultat. Je pensais pas du tout que ça allait donner ce résultat là du tout.
Donc je vous retrouve.